Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Dans une société connectée telle que la nôtre, notre identité parcourt le monde. Les algorithmes identifient chacun de nos désirs. Nous nous sentons pourtant anonymes, seuls, chez nous, loin du bruit, à naviguer, commenter, partager sur la toile, mais n'est-ce qu'une illusion de liberté ? Si les industriels ont su s'emparer de ces technologies pour mieux nous vendre leurs produits, nous constatons que le système politique a beaucoup plus de mal à s'adapter à cette nouvelle influence. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui plus rapides que toute réaction politique. Cet outil, regardé comme une boîte de Pandore par les gouvernements, ponctue les événements et les prises de décision de nos élites. Nous connaissons la Chine et son contrôle total sur sa population via les technologies. Chaque individu se voit décerner un nombre de points qui variera suivant le comportement en société de celui-ci, lui permettant de continuer à s'exprimer, voyager ou l'inverse, être contraint à résidence. Prenons le cas actuel du coronavirus qui renforce ce contrôle sous légitimité de santé publique. Finalement, la liberté que nous ressentons et déployons sur le numérique a une seule limite, le degré de contrôle de ceux qui en détiennent les clés. En France, il semblerait qu'un nouveau cap vient d'être franchi avec l'affaire Griveaux. Une vidéo circulant sur les mœurs sexuelles du futur candidat à la mairie de Paris l'a obligé à renoncer à sa candidature et à se faire petit, tout petit. De cette affaire, une loi a aussitôt été proposée par le gouvernement pour mieux contrôler les réseaux sociaux et lever l'anonymat des internautes. Attention, danger. L'expression de nos libertés par les réseaux sociaux ne doit pas être contraint à devenir un outil simplement marchand, formatant nos cerveaux au système en place, ou bien encore un outil de contrôle. Non, cet outil doit rester open source, libre, permettant à nos imaginaires de créer le monde de demain. L'Europe, la mondialisation, tous ces développements du réseau humain ne trouvent plus de sens parce qu'ils se sont justement construits sur des bases économiques et de pensée unique, oubliant le cœur social et culturel de chacun d'entre nous, que nous construisons justement grâce à nos libertés individuelles. Les grivoiseries actuelles et futures qui s'enchaînent jour après jour ne doivent pas nous détourner de nos libertés ou bien être l'excuse de toute réglementation abusive. Une autorité ne peut pas proclamer la vérité par un contrôle abusif ou par un changement de sens des mots, ou bien encore par des paroles et des mœurs de plus en plus décomplexées, mais par la liberté d'expression qu'elle offre au plus grand nombre. Et qui peut mieux nous en parler que George Orwell dans son ouvrage très populaire, dystopique et à la fois prophétique, qui s'intitule 1984. Écrivain, journaliste et chroniqueur politique, George Orwell a laissé à travers son œuvre la marque de son engagement. Il souhaitait faire de l'écrit politique un art. Atteint de tuberculose, il écrit vers la fin de sa vie 1984 et La ferme des animaux pour pointer du doigt les désordres politiques du XXe siècle, les dérives des totalitarismes et les dangers des manipulations de la pensée. 1984 nous raconte l'histoire d'un monde totalitaire où toute pensée a été remplacée par une seule, celle du parti. Une police de la pensée est en place et détecte toute dissidence. Différents ministères existent, imaginant et réinventant le passé et le futur de l'humanité pour que le parti puisse parvenir à ses desseins. Winston, le héros de ce roman, est coincé dans ce monde où la technologie sert d'outil de propagande, mais également de surveillance de masse, sans aucune autre mesure que le maintien d'un esclavagisme passif où la seule liberté de penser ne se fait que dans la tête. En voici un court extrait. C'était une journée d'avril froide et claire. Les horloges sonnaient 13 heures. Winston Smith, le menton rentré dans le cou, s'efforçait d'éviter le vent mauvais. Il passa rapidement la porte vitrée du bloc des Maisons de la Victoire, pas assez rapidement cependant pour empêcher que s'engouffre en même temps que lui un tourbillon de poussière et de sable. Le hall sentait le chou cuit et le vieux tapis. À l'une de ses extrémités, une affiche de couleur, trop vaste pour ce déploiement intérieur, était clouée au mur.
elle représentait simplement un énorme visage large de plus d'un mètre, le visage d'un homme d'environ 45 ans, à l'épaisse moustache noire, aux traits accentués et beaux. Winston se dirigea vers l'escalier. Il était inutile d'essayer de prendre l'ascenseur, même aux meilleures époques, il fonctionnait rarement. Actuellement, d'ailleurs, le courant électrique était coupé dans la journée. C'était une des mesures d'économie prises en vue de la semaine de la haine. Son appartement était au 7e. Winston, qui avait 39 ans et souffrait d'un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement. Il s'arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende sous le portrait disait « Big Brother vous regarde ». À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir terne encastré dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume. Mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil, du télécran, comme on disait, pouvait être assourdi, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre. Il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue uniforme du parti. Il avait les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées et le froid de l'hiver qui venait de prendre fin. Au dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brillât et que le ciel fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. Big Brother vous regarde. Répétez la légende. Tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche, dont un angle était déchiré, battait par à-coups dans le vent, couvrant et découvrant alternativement un seul mot. Angsok. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance, seule comptait la police de la pensée. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur le dépassement des prévisions pour le 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois et suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct en admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Winston restait le dos tourné au télécran. Bien qu'un dos, il le savait, pût être révélateur, c'était plus prudent. À 1 kilomètre, le ministère de la vérité où il travaillait s'élevait vaste et blanc au-dessus du paysage sinistre. Voilà Londres, pensa-t-il avec une sorte de vague dégoût. Londres, capitale de la première région aérienne, la troisième par le chiffre de sa population des provinces de l'Océania. Il essaya d'extraire de sa mémoire quelques souvenirs d'enfance qui lui indiqueraient si Londres avait toujours été tout à fait comme il la voyait. Y avait-il toujours eu ces perspectives de maisons du 19e siècle en ruine, ces murs étayés par des poutres, ce carton aux fenêtres pour remplacer les vitres, ces toits plâtrés de tôles ondulées, ces clôtures de jardins délabrées et penchées dans tous les sens? Y avait-il eu toujours ces emplacements bombardés où la poussière de plâtre tourbillonnait, où l'épilobe grimpait sur des monceaux de décombres? Et ces endroits où les bombes avaient dégagé un espace plus large où avaient jailli de sordides colonies d'habitacles en bois semblables à des cabanes à lapins? Mais c'était inutile, Winston n'arrivait pas à se souvenir.
Rien ne lui restait de son enfance, hors une série de tableaux brillamment éclairés sans arrière-plan et absolument inintelligibles. Le ministère de la vérité, Miniver en novlangue, le novlangue étant l'idiome officiel de l'Océania, frappé par sa différence avec les objets environnants. C'était une gigantesque construction pyramidale de béton d'un blanc éclatant. Elle étageait ses terrasses jusqu'à 300 mètres de hauteur. De son poste d'observation, Winston pouvait encore déchiffrer sur la façade l'inscription artistique des trois slogans du parti. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Le ministère de la vérité comprenait, disait-on, 3000 pièces au-dessus du niveau du sol et des ramifications souterraines correspondantes. Disséminées dans Londres, il n'y avait que trois autres constructions d'apparence et de dimensions analogues. Elles écrasaient si complètement l'architecture environnante que du toit du bloc de la Victoire, on pouvait les voir toutes les quatre simultanément. C'étaient les locaux des quatre ministères entre lesquels se partageait la totalité de l'appareil gouvernemental. Le ministère de la vérité, qui s'occupait des divertissements, de l'information, de l'éducation et des beaux-arts, le ministère de la paix, qui s'occupait de la guerre, le ministère de l'amour qui veillait au respect de la loi et de l'ordre, le ministère de l'abondance qui était responsable des affaires économiques. Leur nom, en novlangue, était Miniver, Minipax, Mini-amour, Mini-plein. Le ministère de l'amour était le seul réellement effrayant. Il n'avait aucune fenêtre. Winston n'y était jamais entré et ne s'en était même jamais trouvé à moins d'un kilomètre. C'était un endroit où il était impossible de pénétrer, sauf pour affaires officielles, et on n'y arrivait qu'à travers un labyrinthe de barbelés enchevêtrés, de portes d'acier, de nids de mitrailleuses dissimulés. Même les rues qui menaient aux barrières extérieures étaient parcourues par des gardes en uniforme noir à face de gorille, armés de matraques articulées. Winston fit brusquement demi-tour. Il avait fixé sur ses traits l'expression tranquille, optimisme, qu'il était prudent de montrer quand on était en face du télécran. Il traversa la pièce pour aller à la minuscule cuisine. En laissant le ministère à 7 heures, il avait sacrifié son repas de la cantine. Il n'ignorait pas qu'il n'y avait pas de nourriture à la cuisine, sauf un quignon de pain noirâtre qu'il devait garder pour le petit déjeuner du lendemain. Il prit sur l'étagère une bouteille d'un liquide incolore qui portait une étiquette blanche où s'inscrivaient clairement les mots « Gin de la Victoire ». Le liquide répandait une odeur huileuse, écœurante comme celle de l'eau de vie de riz des Chinois. Winston en versa presque une pleine tasse, s'arma de courage pour supporter le choc et avala le gin comme une médecine. Instantanément, son visage devint écarlate et des larmes lui sortirent des yeux. Le breuvage était comme de l'acide nitrique, et de plus, on avait, en l'avalant, la sensation d'être frappé à la nuque par une trique de caoutchouc. La minute d'après, cependant, la brûlure de son estomac avait disparu et le monde commença à lui paraître plus agréable. Il prit une cigarette dans un paquet froissé marqué « Cigarette de la Victoire » et imprudemment la tint verticalement, ce qui fit tomber le tabac sur le parquet. Il fut plus heureux avec la cigarette suivante. Il retourna dans le living room et s'assit à une petite table qui se trouvait à gauche du télécran. Il sortit du miroir un porte-plume, un flacon d'encre, un in-quarto épais et vierge au dos rouge et à la couverture marbrée. Le télécran du living room était, pour une raison quelconque, placé à un endroit inhabituel. Au lieu de se trouver, comme il était normal, dans le mur du fond où il aurait commandé toute la pièce, il était dans le mur plus long face à la fenêtre. Sur un de ses côtés, là où Winston était assis, il y avait une alcôve peu profonde qui, lorsque les appartements avaient été aménagés, était probablement destinée à recevoir des rayons de bibliothèque. Quand il s'asseyait dans l'alcôve, bien en arrière, Winston pouvait se maintenir en dehors du champ de vision du télécran. Il pouvait être entendu, bien sûr, mais aussi longtemps qu'il demeurait dans sa position actuelle, il ne pourrait être vu. C'était l'aménagement particulier de la pièce qui en avait fait naître en lui l'idée de ce qu'il allait maintenant entreprendre. Bien évidemment, je vous laisse découvrir la suite en lisant cette histoire singulière et tellement réaliste. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super green, aussi green que ça peut être. Green, 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 green,